Désolée. C'est pas grave. Donc on était donc autour de Cassandre, puisque Aerys avait fait son action, avait tiré sur le gobelin. Donc tu viens Cassandre, de te réveiller. Donc, à bout de jouer. Tu viens un peu de te réveiller ton coma passager où tu regardais le feu. C'est là. Ouais. Là. Avec le joyeux bordel tout autour et tout le monde qui s'est tiré sur cette. En fait, elle a. Voilà. En fait, elle a mis autant de temps pour remettre un bâton dans les flammes. Voilà. Elle est extrêmement concentrée, tandis que Talia, attendez, je cherche un truc qui permet de faire ça. Alors, j'ai pas vraiment ça, mais c'est quoi l'affaire Kirobi, voilà. Le petit bidon. Ah, du coup, c'était bien, ouais. Hein. C'était, bon. C'était super de remettre le bâton dans le feu, là. Puis après d'avoir fait une petite sieste. Ah, bon, ah, c'était super. Ah. Un petit coma des familles. J'ai vécu de la perfection pendant mon sommeil. Ah, c'était super. C'est quoi la perfection en animé? Bah, la perfection. Des cagés pro. Bon. Alors, donc je vois que c'est un peu le bordel. Oui, j'ai failli me faire tuer trois fois. Donc je décide de m'y mêler, hein. Oui, je fais une. J'essaie de m'y mêler, hein, parce que c'est drôle. Bah oui, bah c'est j'espère drôle, bien. Je aide-nous. Hein. Mais par contre, je vous regarde. Hein. Ouais. Évidemment. Contre, s'il te plaît, par contre, s'il te plaît, ne te mets pas à essayer de me buter non plus. Hein. Je ne compte pas les déplacements courts dans les combats, genre comme ça, comme une action. Donc encore un truc à faire. Trier les bras d'herbe par j'avoue, ah, mais en fait, je vais faire ça. Et par couleur. Alors, bah, Cassandre. Non. Cassandre, en fait, elle aime pas la tête du gobelin. Elle trouve que le gobelin a une tête non parfaite et qu'elle mérite pas. Non, attends, je veux dire, le haut, il va pas très bien avec le bas niveau vêtements, quoi. Exactement. Donc, du coup, en fait. Ça, bah... Non, mais regardez, il est pas du tout habillé en printemps été, c'est dégueulasse. Du coup, là, Cassandre va l'attaquer. Voilà. Ouais. On dirait Cassandre. Il est moche. M'énerve trop Cassandre. Attends là. Comment elle va lui enlever les orbites avec donc la chaîne quoi. Écrire un rolling indécent, c'est ça. La chaîne indécent. Mais tu veux faire quoi comme action? Je vais l'attaquer. Merci, c'est précis ça. Voilà, donc j'écris, c'est ça. Attends, t'as une fenêtre de. Attends. T'as une fenêtre de tir grosse comme as pour lancer la chaîne. C'est qui ça? Chaîne nébulaire. Bon, sa tête saut de 1005. Voilà, c'est tellement ça. Une fenêtre de tir grosse comme ça, t'as le bras de Nathan qui rentre dedans. Comment c'était des sauts de 1005? Attends, je vais me décaler encore un peu parce qu'avec elle, non seulement les autres. Je suis un gros génie. Non seulement les autres, ils veulent me buter, ouais. Mais c'était pas fait exprès, mais elle va vraiment vouloir comment me buter. Je fais alors. Pour attaquer déjà, alerte au gogol, j'ai oublié. Attends, j'ai pas. Alerte au gogol, les enfants. Je suis un gros génie, j'ai pas tes. Ah bah bravo. C'est bon. C'est pas bon. Il m'a envoyé un message au privé. Putain mais... Tu ne les as pas... Renvoie-les-moi, s'il te plaît. C'est pas posé. Mais c'est quoi c'est... Mais bande d'organismes... Mais... Oui bah c'est pas toi, je t'emmerde. De merde. Qu'est-ce que vous foutez là? Parce qu'il a pas mes stats, le couillon là. Non mais je les avais mis pourtant. Attends, ça se peut sécher. Alors. Voilà. Alors là, c'est bœuf séché, écoute. Mais oui, c'est il est bien c'est séché. C'est bœuf séché. Alors, donc. C'est les recettes de cuisine. Oxydrac. Tiens, Oxydrac. Oh, putain. Et je vais faire brûler en enfer. 55, 79. Alias le MJ, alias Adrien, Claude, Adrien, Gabriel, Claude Brabant. Tu veux pas aller crever en enfer, 79. Ah, mes oreilles! Mes oreilles! Yeah mes pauvres oreilles! Bien m'aider! Bon. Alors, stade d'esprit, on est à 75! Alias l'amant d'Hitler, oui, c'est tellement ça! Ouais, voilà, alias l'amant d'Hitler, oui. C'est une arme physique, hein, donc là, comme c'est entre les deux, je vais te demander un test d'endurance. Quoique non. Ouais, non, force. Est-ce que je peux faire un test d'esquive? On verra après. Force. Ça, c'est au cas où elle fait un échec. Donc, on va faire un test de force à 65. Mais tu lances un dé de 100. D'accord. La maîtrise de ton arme. Donc, je lance le dé. Slash R, espace 1, dé 100. Alors, slash R. Donc, tout collé. Espace 1, non, dé et 1. 100. Parfait. Oui! 77. T'as raté. C'est un échec. Nathan.
Pourquoi est-ce qu'il fallait que je sois dans la fenêtre de... Mais... Point, 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 point,
Non mais je veux dire, apparemment je suis le plus chanceux, mais je suis le plus ouais, victimisé. Cassandre, tu vois, elle vient juste de se réveiller de sa sieste, d'accord. Et le pire, c'est que c'est même pas par le gobelin que je me fais buter. À mourir, on sera cous à ses compagnons. Pourquoi t'as activé le tirallier, toi? Attends, vas-y, tu disais. Je vais l'attaquer de face. Tu fais un rush de force, hein, à ce niveau-là. Oui. Mais sans ton bonus, parce que tu rushes, donc t'es légèrement déstabilisé, donc le bonus, il s'annule. Le bonus qui fait que c'est ton arme, donc t'es à 65, brut. Oh, j'ai mal, je titube un petit peu et je passe par là, voilà. Voilà, toi, tu te retires, tu te fais en arrière, tu fais pas chier. En tant que guerrier aguerri, je sais que quand on est blessé, il faut se retirer. Donc, tu fais au-dessus de 65. Par contre, je m'éloigne encore un petit peu, c'est quand même une zone de danger avec elle. Ok, je vais lancer maintenant. Voilà, au-dessus de 65, ça part. 42, ok, 42, bon, réussite critique. 42. Non, pas réussite critique, hein, faut pas déconner. Disons que ça 42. Passe. Bien joué. Donc, tu veux toi, vous pouvez me laisser le buter parce que. Réussis à ne pas amputer une jambe à Nathan. Merci, c'est gentil. Tu un arbre. Tu plantes ton. Donc, tu laisses bouger ton sprite jusqu'au gobelin. Ta tronçonneuse en plein dans le bide. Oui. Donc, je veux voir du sang de gobelin, ça va me faire du bien. Là, il est bloqué, là. Il est bloqué, il a pris bien cher. Alors, on va lancer un dé de 4. Par contre, il va essayer de te maraver. On va lancer un dé de 4 pour les dégâts parce que là c'est une attaque que j'appelle lourde. T'as pas beaucoup de chance. Du coup il prend qu'un dégât. Il a ma tronçonneuse dans le bide. Ouais mais il prend qu'un seul. Bah, écoute. Non mais arrête. Eris, c'est pas moi, c'est le hasard. Hein. Ce sont les dés. C'est l'œuvre du tour d'Iris. Allez à toi Iris. Aide-moi! Je n'ai pas vraiment besoin de conseiller ce que tu devrais faire. Iris, normalement, tu sais ce que tu dois faire. Elle va rocher. Elle dit, je vais aller prier Lolès parce qu'elle a fait 42. Oh, enfin, vous l'avez martyrisé. Il faut aller sauver. Je vous jure, si jamais tu m'aides pas, je vous aligne tous les trois et je tire. Oh putain, mais. Et moi, vous m'avez dit que mon rôle, c'était pas de le sauver. J'aurais pu le faire, mais vous m'avez pas laissé. Donc voilà, donc vous allez le faire. Mais t'inquiète pas. Si t'avais fait un décès critique, tu lui aurais amputé la jambe. Tellement. Là, je fais sans. Ça, ah mince. Elle va aller le oui, mais merci. Enfin, quelqu'un de gentil. Oh, c'est bon. Mon personnage était juste fatigué. Mon personnage, tu vois, il est un peu fatigué. Il a juste réveillé de sa sieste. T'appelles ça fatigué? Mon personnage juste débile. J'appelle ça bourré, moi. Il est très intelligent, même dans ses stats, c'est dit. Hein, tu vois. Alors, chut. Donc, bourré, moi. Je te demanderai un test d'esprit brut pour le coup. Et là, échec critique, en réalité, à la place. Échec critique, elle devient tarée à la place de soigner Bazakiel. Ok, non, elle mais là, je fais pousser les bras. Allez, là, je récupère tous mes PV. Là, je récupère. Là, au lieu de récupérer mes 10 PV, je récupère 500 PV en plus et allez, je le défonce. Voilà. Oh, bien joué. Bim, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, je veux juste. Mon ami. 15 PV. Zéro. Elle a utilisé ce jour. Ouais, magique que personne ne crie. Mon ami de toujours. Laissez parler, même si. Elle utilise donc sa. D'ailleurs, t'en es où? Vos gueules! Elle utilise donc sa magie inconnue pour te soigner et la plaie se referme totalement d'ailleurs. Nickel! Alors maintenant, si tu veux bien, comme c'est le tour de Cassandre, je me mets 20 mètres en arrière. 20 mètres, t'as piqué à l'arbre? Non, je me mets juste derrière parce que j'ai une idée en tête. Putain, j'ai peur. Il va te pousser! Je vais faire comme dans le JDR avec Maillard, le JDG et tout ça, et puis je vais tirer à travers la. À travers. Bon, mais non, je vais pas faire ça. Alors, du coup, c'est mon tour. J'évite. It's my turn. Donc, du coup, je vais réussir de taper le gobelin. Si tu fais un échec critique et que tu balances ta chaîne en arrière. Attends, je te montre ta fenêtre de tir. Qu'est-ce qu'il y a devant le gobelin? Cette fois, c'est elle qui va se faire couper.
Non, non, me butez pas, me butez pas. Je viens d'arriver, j'entends qu'il y a moi, alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il faut rien faire, Ansel. En fait, tu vois, je dois attaquer le gobelin, sauf que t'es juste devant. Donc test de... dans ce cas-là, je dirais un test de force avec un malus de 10 parce qu'il y a soit un obstacle. Non, non, enlevez mon bourrine. Aéry, tu es buté un jour. Tu dégages, tu fais pas comme moi, tu te prends pas sa putain de chaîne. Adieu. Allez, 45. Bon, bah voilà. Bon, bah maintenant, Vicky. Faut qu'elle fasse moins de 45. Oh bon sang, je vais crever. Fasse moins de 45 pour que tu survives. Non. Ça passera jamais. J'ai peur. Si elle rate, je te jure, on pourra vraiment dire qu'on est Ying et Yang tous les deux parce que je suis chanceux et elle. Et elle, si elle rate, c'est qu'elle est malchanceuse. Elle a zéro chance. Vas-y, vas-y, grouille. Mais je veux savoir si tu veux survivre ou pas. 200. Ça se trouve, ça passe, hein. Je sais pas pourquoi, mais personne n'a foi en elle, en fait. Non, personne n'a confiance. Moi, je me prépare à mourir. On avait raison. L'eau l'air se reçoit le truc dans le ventre et meurt instantanément. Merci d'avoir joué. Félicitations, tu as planté ton. Ou alors je maudis maintenant et la chaîne part en arrière. Je suis sûr qu'en fait, échec critique, la chaîne part en arrière, elle m'agrippe et ensuite elle me balance sur l'eau. Non, alors là la chaîne, elle se plante dans la jambe de Lolès qui se met à genoux. Parce qu'elle a un grappin dans la jambe gauche. C'est génial, du coup. Désolé, c'est un mal pour un bien, mais ça va peut-être m'aider. Du coup, je te mets un petit effet de sang. Moi aussi, j'ai Cassandre le boulet que... Iris. Putain, tout le monde va me tuer. Moi, j'ai une idée de... Alors maintenant, parce que je me rends compte que j'ai oublié un truc depuis le début, c'est mon tour. En fait, j'imagine en train de te mettre la tête dans le feu en disant « Tu la vois, ta branche ?» C'est mon tour maintenant, voilà. Donc c'est le tour des ennemis. Oh, ah merde, c'est vrai, il y a un tour pour les ennemis. Ah, c'est oui, pas juste des jouets. Ce magnifique gobelin va peut-être éventuellement tenter de t'arracher un œil. Et s'il fait ça, je le bute. Bah, je sais pas, parce que j'ai des stats des ennemis pour qu'ils puissent faire des lancers de dés. Il a une force de 65. Genre ce truc là qui fait 1m20. Ouais, non, mais il a une force de 65 sur sa faible force à lui. Hein, c'est... Ouais. C'est-à-dire qu'il peut avoir 80, il est quand même inférieur à vous techniquement. C'est juste pour les lancers de dés. Ouais. Ok, ouais. Il a un sexe. Putain, mais. Et même quand il m'avait testé contre un autre ennemi. Deux dégâts max. Même un dégât, ça ne va pas commencer. Ouais, allez. Donc, le gobelin étant actuellement supérieur. Enfin, étant. Pardon. C'est moi, plus grand que toi, puisque tu es à genoux, en profite pour te mettre une bonne latte avec le bâton en pleine face. Non, j'imagine, genre, il lui met un petit coup. Crache d'ailleurs un peu de sang, parce que quand même, ça fait un peu. Pichenette, ça fait un point de dégâts. Pichenette, ça fait un point de dégâts. Préparer un petit truc là, voilà. Alors, donc, le tour des ennemis va s'en terminer. Il a fait son attaque, il est un peu bloqué là. Voilà. Bazakiel. Bazakiel, si j'étais toi, j'irais sauver ta bro. Bah, c'est ce que je compte faire, mais j'hésite entre tuer Cassandre d'abord. Non. Ok, tu peux. Non, ça va. Histoire d'éviter les pertes. C'est pas le moment, je risque de mourir. Non, c'est ce que je compte faire en fait, si je me suis mis. Si je me suis mis derrière ta Attends, attends. Voilà. Ouais, on parle de ta survie. Je risque de crever là, alors laisse pas ça mis. Allez, sors et ferme la porte. On parle de ma survie. Maintenant, dis ton action. Putain, je suis en train de paniquer. Alors, en vrai, Nathan, si je me suis mis derrière Cassandre, c'est pas pour l'enculer, non? Nathan, je t'autorise pas à la tuer, par contre. Hein. Je vous autorise pas à vous entretenir. Mais tu crois vraiment que je vais faire ça? Je suis rancunier, mais je suis pas... Oui, non, je précise, hein, c'est jamais hein, à la clinique. Non, mais t'inquiète pas, je vais pas la tuer. Moi, je voulais la tuer. En gros, vous pouvez vous frapper, mais vous pouvez pas vous tuer. En gros, ce que je compte faire, c'est que je compte passer au-dessus, genre faire un petit vol plané, et essayer de tirer sur le gobelin. En plein vol. Oh, putain. C'est ce que je comprends. On va déjà faire un test d'endurance pour voir si t'arrives à voler correctement et pas faire de la merde. Et okay. En fait, il te va tomber sur moi comme une grosse merde. Tu vois, non, mais ça m'étonnerait parce que tu as une endurance de 80 pour les attaques pour tout ce qui est aérien. Ah, ouais, 80 pour les attaques aériennes. Oh, cool. Ce qui touche à l'aérien. Tu passes à 80 en endurance. Ah, oui, c'est vrai. Avec ma compétence secondaire. Oh, il fait 81.
15. Voilà, je dis qu'il a de la chance. Il a de la chance comparé à moi. Allez, là, qui tue tout le monde. Il s'envole. Et Cassandre, toi et moi, on est comme le yin et le yang. On se déteste. Bah, heureusement. Ah. Il s'envole. Allez. Voilà. Il s'envole. Tu vois une ombre planer au-dessus de toi, couvrant la grasse lumière du soleil. Tu crois avant de sauter, avant de jump derrière le. Tu crois que c'est un oiseau, mais non, c'est un mort. D'accord, donc Aurélie s'était endormie. Elle s'était vraiment endormie. C'était endormie. Ah, tu pourras, bah, pas grave, parle. Et bah, tant pis pour sa gueule. Allez, hop. Je m'occuperai d'elle aussi après. Voilà, donc tu es derrière le. Elle ou derrière le. Le gobelin? Dis-moi. Toi. Bah là, je me suis envolé là. Ouais, mais t'as l'intention d'atterrir derrière l'Oles ou derrière le. Bah derrière le gobelin. Ouais, j'ai l'intention de le buter. Bah, je te laisse atterrir, hein, t'es en plein vol donc. Par contre, ton attaque, tu l'as fait au prochain tour. Ouais, j'avoue, tu m'attaques. Ouais, j'avoue, là c'est mon amie, elle veut me défendre, tu vois, Talia. Et c'est à moi un peu maintenant. Voilà, l'Oles qui a donc une chaîne dans le genou. Voilà, merci beaucoup. Et qui crache du sang. Genre, Bazakiel veut la baiser. Voilà, c'est bon. Je m'en vais. Adieu. Oh mon dieu. Bonne chance, hein. Non, c'est juste que elle m'énerve. Bon, allez. Donc, l'Oles, tu es dans une situation assez compliquée puisque tu as une saloperie qui a ton bâton à même pas 2 cm de tes yeux, tandis que tu as une chaîne plantée dans le genou gauche. Alors. Moi, tu sais, il y a toujours ma tronçonneuse en ce moment. Oui, mais la tronçonneuse, elle est dans le bidon. Ouais, bah du coup, je fais un mouvement sur la droite, genre, tu sais, pour déchirer son. Tu sais, pour sortir ma tronçonneuse en le déchirant. Bah, test de force, parce que ça se casse pas tout seul des os, de la chair, de tout le bordel. Ouais. Okay. Encore une fois, je connais pas vos stats sur le bout des doigts, laisse-moi vérifier. Par contre, si vraiment ça fait que 1 point de dégâts, là, je dis non. C'est clair, 1 point de dégâts, non, en plus, non. Bonjour, je viens de te décapiter, ça fait 1 point de dégâts. Je lancerai un dé de 3, voire un dé de 4. Alors, c'est faire le lancer. Je dois faire moins de combien? Tu dois faire moins de 65. J'ai pas un bonus pour ma. Le bonus, quand t'es dans quelqu'un, ça marche pas. Là, c'est pas pour lui mettre un coup, c'est plus pour te dégager. Quand t'es dans quelqu'un, ok. 25! Mais laissez-moi faire ma blague! Vas-y. Je veux dire, elle a pénétré un gobelin, maintenant elle cherche à s'en dépêtrer. Quand t'es dans quelqu'un ou que t'es en quelqu'un. Ah bon sang. Ferme-la. On va lancer le D3, je m'excuse. Attention, c'est une deuxième phrase que je devais dire. Tu veux mourir comment? Ça fait un 2. Non, non. Non. Non, ça marche pas comme ça. Il a 10 PV, là il est en train d'agoniser. Là, il a la moitié de son énergie vitale. Donc là, il est à genoux également. Il est en train de halter. Il est en train de vous regarder dans le blanc des yeux là. De halter, de hurler un là, petit peu. Il fait non, j'ai une famille à nourrir. Puis, tu l'as un tout petit peu découpé quasiment en deux là, donc il est un peu mal. Et donc, c'est au tour de Talia qui est donc qui vient de se réveiller parce qu'elle s'est fait assommer par le putain de gobelin. Il faudra peut-être qu'elle se rende compte de la situation. Et encore une fois, ne me vise pas. Je sais que la dernière fois, tu m'avais pas visé. Et ben voilà, elle a fait comme moi, elle a fait la petite sieste. Mais quelle salope, celle-là. Vise le gobelin, que... non, hors de question que je vise. Je te rappelle que mes ailes, c'est ma vie. Je suis un ange. Enfin, déchu, mais je suis un ange quand même. Je ne vous laisse pas frapper vos camarades sans motif. Et bah. Comment ça, sans motif? Je vise. Bah, tu vas pas taper pour rien. Je vise. Si elle a remis un bâton dans le feu, t'as le droit de lui péter la gueule. Est-ce que si la personne a mis une chaîne dans ton genou, tu as le droit de la défoncer? Est-ce que la personne qui a mis une chaîne dans ton épaule, t'as le droit de la défoncer? C'est juste la malchance. Alors, c'est donc 80. Putain, c'est pas les stats sous les yeux, c'est pas de voilà, 75. J'ai dit en fait. Il fait en dessous de 75 et ça passe. Cassandre, je crois que Talia en fait elle est lesbienne là, parce que. Écoute, elle a vécu avec des hamsters et des licornes toute sa vie. Bah, tu me diras, on a le droit d'être. Perfection. Non. Et c'est moi. Alors.
Il dit, tire ta flèche dans les cieux. Pour dans ça, l'amoureux de sa putain de branche. Si j'ai tout compris, tu la tires à... en décalé vers le haut, quoi. Non, la perfection, c'est moi. Non. Tu la tires en décalé vers le haut. Si. Les gens comme... Elle fait les un tir en cloche, quoi. Ok, tu tires ta flèche donc légèrement en diagonale. Elle réatterrisse sur le crâne de ce joyeux enfoiré. Parce que j'ai sacrément envie de tuer en un coup, mais on va lancer un dé de 5 pour voir si ça sort. Non. On va relancer un dé de 5. Ah, c'est mieux. Mais non, je voulais le tuer. Non, alors là, il est... non, mais en fait, quand il atteint 0, il agonise. Ouais. Qui peut plus rien faire. Là, donc. Je veux à tout prix faire un truc à cet enculé. Sachant que je ne, vous avez le droit de faire. En fait, si vous n'êtes pas en. Comment. En combat, vous pouvez faire un peu vos actions dans votre tour, dans n'importe quel ordre, selon la priorité que vous avez. Ouais. La plus importante. Donc. Ouais, mais non, tu voilà, allez-y. Non. C'est ce que j'allais dire. Sur ce point-là, Cassandre, on est d'accord. Voilà, on est enfin d'accord. Bazakiel, fais-toi plaisir. Bazakiel, tu sais, tu es mon grand ami hein, de toujours. Entre nous. S'il te plaît, câlin, petit câlin. D'abord, il y a le gobelin avant toi. Voilà. Ouais. Mais je veux Boyuri. Non. Vous avez galéré pendant 30 minutes à tuer un pauvre gobelin. Mais c'est pas ma faute si mes amis me. C'est pas ma faute si j'ai une équipe de merde. Bah, à vous, si j'ai encore un, j'ai encore la chaîne dans le genou, moi. Oui, d'ailleurs, je suis encore en vie. Je suis encore en vie, merci à Iris. Sachant que pour ce genre de choses, maintenant, vous avez toute la concentration nécessaire pour l'enlever sans lancer de dés. Hein. Vous êtes suffisamment doué pour savoir enlever quelque chose. Je peux m'en occuper. Nathan, toi, tu t'occupes du, tu t'occupes de finir le gobelin. Oui. Et c'est mon tour là. Oui, c'est ton tour. Moi, j'ai pas joué. Ok, je m'occupe. Non, non, on, le combat est fini, on réinitialise les combats. J'ai pas joué. Je vais finir cet enculé. Je veux lui planter toute ma lame sur le côté du crâne. À la tempe. Je veux finir avec Iris et Cassandre. Vous m'emmerdez si je les fais pas jouer, allez-y, faites votre tour. Mais non, mais c'est bon, on va les laisser jouer. Hein. T'as perdu de la vie parce que tu t'es pris un caillou dans la gueule. Voilà. Pour excuser ton absence. Du coup, Nathan, donc tu décapites cet enfoiré. Allez! Je vais pas te faire un lancer de dés pour. Oh, si, en fait, si, vas-y, fais un jet de force. Je vais te fils de pute. Si je le rate, je fais quoi? Je décapite Caro. Ah oui! Oh mon dieu! En dessous de 75 avec le bonus. Ok, en dessous de 75, nickel. Et là, il est avec les 76. J'espère que ça va passer. Caro. Crois en moi, je crois mal. En mon arme et je crois en ma peau, je crois en ma force. Je crois en ma survie, moi. Non, 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 non. Vas-y, je crois jamais en moi.